Dès le plus jeune âge, les questions commencent déjà. Mais maman, comment ça va être au travail quand j'aurai mes règles? À l'adolescence, il devient déjà difficile d'aller aux toilettes sans devoir en justifier la raison. Non, non, tu vas pas aux toilettes, le groupe il est là, il t'a fermé, tu continues à t'en prendre. Allez, j'ai vraiment 12 ans à l'école. Non, non, c'est pas possible. Allez, continue. En fait, j'ai mes règles. Ben, fallait le dire, ben vas-y maintenant. Putain. Certaines femmes peuvent être confrontées à la précarité menstruelle. La solidarité féminine est précieuse sur notre lieu de travail en cas de règles imprévues. Il n'est pas rare de se retrouver sans point d'eau dans les toilettes. Punaise, y a rien pour que je puisse me laver les mains et nettoyer ma queue. En cas de forte douleur, endométriose, ce qui compte, ce n'est pas votre souffrance, c'est que le travail soit fait. Tu pourrais finir le dossier là ? C'est urgent. Je suis super fâchée. Je comprends pas pourquoi il m'a dit ça. Alors cocotte, prends pas les choses comme ça. Mais tu n'étais là. C'était pas la façon de me parler. C'est pas normal. T'énerve pas, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as fait règle ou quoi ? Durant sa vie, une femme aura ses règles pendant 2250 jours, soit plus de 6 ans. Vous imaginez le temps que ça représente? À la ménopause, vous pensez que tout ça s'arrête? Bien sûr que non. Bouffées de chaleur et insomnie s'inviteront dans vos vies. Ces situations se produisent chaque mois et ce, pendant des années. On souhaite que les lignes bougent et les mentalités avec. Merci mesdames pour ces témoignages de vie. J'ignorais que les menstruations, c'était tout ça.